Pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui? Vous allez vite le voir. D'ailleurs, moi, je serais vous, je mettrais un petit peu de crème sur mon corps, hein, sinon vous allez être encore arrosé, les viewers. Ouais. Fini la déconnada avec Monsieur K. J'ai un manteau à me faire, moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté, et pourtant, regardez-moi ces gros pixels. On n'a pas trop l'impression que c'est une nouveauté. Attends, on va dézoomer, ça sera mieux. Oui, ce sont des héros de cinéma. Dites-moi, Jay, Silent Bob, ça vous parle? Bah, c'est dans leur jeu qu'on va aller aujourd'hui. Parce que je sais pas quelle idée est passée par le cerveau du tonitruant réalisateur de ces petits chefs-d'œuvre. Mais il s'est dit, je me sens incomplet. Le film, le refilm, le remake du refilm, et bientôt le remake du remake, ça ne me suffit pas, il me faut un jeu vidéo. Et c'est dans ce jeu qu'on va foncer aujourd'hui. Le turfu, c'est maintenant. Enfin, le turfu, c'est maintenant, si vous aimez replonger dans vos vieilles cartouches de Nintendo. Puisque le jeu respecte totalement le principe du bon vieux brawler. Yeah, brother, on va brawler. Jay, c'est le tout mince. Silent Bob, c'est le gros, qu'on appelle également Kevin Smith. Et qui n'ont pas d'humour, le bougre. Mais bon, moi je préfère Jay. Parce que c'est vraiment un sale type. Et puis il vit mal, je trouve, en plus. Donc je peux davantage me moquer de lui que de moi-même quand je me lève le matin dans mon miroir. Non, je ne dors pas avec Jay. C'est pas recommandé d'ailleurs en général. Tout se suspend, mais va-t-on sortir du fameux mall, ce super centre commercial, assez récurrent aussi dans les films de Kevin Smith. Je sens que ça va être le bordel, alors est-ce qu'on va arriver à reconnaître tous les personnages? Y compris Matt Damon. Alors je brawl, donc je peux taper, et je peux taper avec mon pied aussi, et je peux sauter. Bon bah tout est présent, il n'y a plus qu'à être bon. Vous avez vu ces enchaînements quand même? Ouais, je maîtrise depuis la... J'allais dire depuis la Neo Geo. Oui, j'ai pas trop eu de console 8-bit moi. Si, j'ai eu la Master System. Oh, ce coup là. Alors quand on répète le même coup apparemment, c'est pas mal hein, pour faire des saloperies. Oui, je disais, j'ai eu la Master System, elle était vachement bien, Alex Kidd, qu'est-ce que c'était énervant. Tout ce random et ces papiers ciseaux qui m'ont fortement énervé et m'ont donné à moult reprises envie de jeter la manette. Ouais, reprends du power. Okay. Alors c'est bizarre parce que c'est aussi peu maniable que le jeu de l'époque. Où c'était assez chaud d'arriver à faire les commandes qu'on veut exactement. Et alors je vous parle pas des diagonales qui sont probablement inexistantes. Oh le salaud. Dans ta gueule. Oh comme il s'est vengé. De ouf. On peut prendre des chaises comme au catch? Non, attention les bidons. Hop, papa, les gros classiques. Je ne suis pas un singe, je ne suis pas sur un immeuble. Pourquoi il m'a pété la gueule celui-là? Il y a de l'abus. Chacun mon tour. Ouais, je vais dérouiller, je vais dérouiller. Oh, ça y est, je suis Silent Bob. Je vais plus rien dire.
Ah, vous êtes content du coup les viewers. Ah, salade, hein, salade. C'est s'envoie du méchant là, du gros. Et en plus j'ai eu un super coup qui s'est déclenché quand tout le monde était mort. C'est vous dire si je suis joie. Qu'est-ce que c'est que ces nains sauteurs? Ah, ils vont être pénibles. Alors, est-ce que le jeu est bien? J'ai pas le droit de parler, hein, je suis Silent Bob, les gars. Donc, non, je parlerai pas. Bah, le jeu est bien. Si c'est l'esprit rétro que vous recherchiez, oui, effectivement, le jeu est bien, parce que c'est totalement ce qu'on aurait eu sur une Nintendo de l'époque. Maintenant, si c'est le frisson et les sensations fortes, je peux, comment dire, oh, je me fais sucrer mes armes quand je change de tableau. Ça sent le boss. Vous avez vu si monsieur K focus quand même? Et je vais pas me laisser laminer par un sale boss, regardez. Je suis pas loin de l'avoir. Mais je sens qu'il va m'avoir avant. Et donc je disais, oui, si c'est vraiment du vieux jeu rétro que vous cherchez, c'est marrant. Il y a les hommages des films de Kevin Smith, forcément. On va essayer d'avancer dedans pour voir si on a d'autres qui sont plus marrants ou je sens que ça va être pénible. Oh l'enfoiré. Oh mais le double enfoiré. J'ai la rescousse. Bon, en fait, on a bien tous compris quand même que davantage qu'un jeu, apparemment, c'est plus un petit produit marketing. Histoire de dire que, tiens, j'ai rebooté une XM fois mon film. Pensez à le louer en VOD. Sacré Kevin, là. Fait un super coup, nom de Zeus. Je suis en train de me faire défoncer. Je me suis fait défoncer. Vous avez aimé Jay? Vous avez aimé Silent Bob? Eh ben maintenant vous n'avez plus qu'à jouer les amis. Ou alors vous refaire une petite intégrale de tous les films de Kevin Smith qui se fera pas de mal dans cette période complètement tordue on va dire. Playlist, playlist, bouton d'abonnement et mes salutations une fois de plus. A bientôt.